Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette d'aujourd'hui, c'est comment je fais mon jus de bissap au bonbon pecto. Donc là, comme ingrédient, j'ai besoin des feuilles de bissap séchées, de l'ananas, et puis des feuilles de menthe, du sucre, de l'essence de vanille facultative, des clous de girofle et nos bonbons pecto. Donc on y va. Donc ici j'ai porté mon eau à ébullition. Je vais rajouter mes feuilles d'hibiscus. Puis couper mon feu dès que le mélange commence à bouillir. C'est possible aussi de faire bouillir les feuilles de bissap avec la peau de l'ananas. Et là, je viens rajouter mes feuilles de menthe, la clou de girofle. Donc je vais laisser bien infuser. Là, ici, je vais nettoyer mon ananas. Voici mes ananas qui sont nettoyées. Ici, je viens filtrer. Afin de bissap, il y a mille et une façons de le faire, manière de le faire. Certaines personnes, quand ces personnes verront que la vidéo est un peu différente de ce qu'elles font à la maison, elles vont commencer à critiquer négativement. Peut-être que je vais bloquer les commentaires là. Bah, c'est ça. Je vais filtrer. Je vais réécrire filtrer encore dans un petit thème. Après avoir obtenu le jus bien filtré, bien propre, je vais venir rajouter du sucre à ma convenance. Un peu d'essence de vanille ou du sucre vanillé. Et puis là, je vais rajouter pecto, mais je ne vais pas prendre toute cette quantité, à rajouter 5 environ. 5 ou 6, ça dépend. Je vais goûter et rectifier un peu le sucre encore. C'est trop bon. C'est trop. Ici, voici le résultat de mon jus de bissap. Donc, si tu as aimé la recette, n'oublie pas de liker. Oh! De t'abonner puis de partager. On se dira bye bye à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!